Salut tout le monde, Morden avec vous encore un petit peu aujourd'hui pour un brin, la suite de Dragon Age l'Inquisition. On va continuer où on était rendu. Oui. C'est une bonne idée de vérifier l'équipement et les capacités de notre groupe avant de nous aventurer dans un territoire dangereux. Good stuff. Ah, on va avoir le temps. L'elfidé et l'embryum poussent dans les grands champs et les régions boisées. Et les sorceliers. Offrent à leurs alliés des propriétés spéciales, éliminez-les en premier pour affaiblir les ennemis. Pro tip. Ok. Donc, jour 2 de Dragon Age. Évidemment, je ne suis pas un streamer professionnel, donc... mes jours à moi ne sont pas des journées de 8 heures, mais généralement c'est du 2 à 3 heures, c'est pas mal tout ce que je peux donner de temps. J'aime bien la musique. Searching, searching, loading. Oh, here we go. Donc hier, quand on était arrêté, on était en train de faire quelques petites missions de fin de tutoriel. Dans le village. Il y a beaucoup de loading. A lot of loading. Bien, vous réfléchissez enfin. C'est arrivé. Merci. Vous pouvez m'appeler Charter. Hein? Maintenant, parlez moins fort. Votre rapport n'est pas pour toutes les oreilles. Puis, mettons, je me rapproche. Des fois, la caméra capote un peu. Ok. Donc. Carte du monde versus journal. Journal. Faudrait que j'aille voir Minaëve. Puis faudrait que je fabrique des armures. Que je modifie une armure. Ça me prend une source de bois. La bonne armure. Ok, on va essayer ça. Fabriquer une armure. Ah, il était dehors, lui. Je vais juste aller changer quelque chose parce que la caméra. J'ai changé les drivers graphiques hier. Puis la caméra a de l'air un peu trop débile. Mettons que j'essaye ça. Et déjà, ça a de l'air mieux. Fabriquer des armures. Bon, il veut que je fabrique une armure. Fait qu'on va fabriquer une armure.
Valeur d'armure faible. Ok. Fait que peu importe ce que je vais mettre, ça va être une valeur d'armure faible. Ah, j'avais pas remarqué, mais ça change un peu la couleur de l'armure selon la... selon le métal que tu utilises. C'est bien ça. Ok, mettons de l'onyx. Plus 4 de défense au corps à corps. Santé maximum. Ça a pas l'air à changer la couleur beaucoup, par exemple. Pierre estivale. Fabriquer l'objet. Pick et cling! Ouh! Succès déverrouillé. J'ai fabriqué une cotte de maille de défenseur vigoureuse. Salut, Guy! Je la renommerai pas. Because... ça vaut pas la peine. Puis là, j'ai un autre quest que c'est... modifier l'armure. Ah, je peux y mettre des brassards lourds. Ben, écoute. Pick-a-kling! Succès déverrouillé. Personnalisation. Ok. Bon, fait que là, j'ai techniquement deux quêtes de fini. Et ils sont plus là. Là, faut que j'aille donner à Minaev un objet étudié. Puis, il faudrait que je trouve éventuellement une source de bois. Fait que, mettons que je fais ça. On va aller donner à Minaev. J'aime bien les petits dialogues. J'étais en train de me dire que je vais peut-être pas à bonne place, par exemple. Il n'y a pas vraiment de chemin qui s'en va là. Donc ça a l'air d'être d'enchanterie quelque part. Oh. Ah, ça c'est ma mission de base, ça. Ben, un peu. Allô, arrête de broyer, là. Come on. Ok, ça va, bientôt. Ah non, je deal bien. De s'agrandir, et elle ne me fait plus mal. Il n'y a pas de petite victoire. Ce qui compte, c'est que votre marque est maintenant stable. Tout comme la brèche. Vous nous avez offert le luxe du temps. Et Solas pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir. À supposer que la marque est encore des forces. Le genre de puissance qui a ouvert la brèche. Ça ne va pas être facile à trouver. Elle a l'air d'avoir une idée en tête, la madame. En effet. Ben, en effet. Vous connaissez le commandant Cullen, qui dirige les forces de l'Inquisition. Oui, ben oui, c'est mon grand chum. Sur le champ de bataille. Ravi de vous voir en vie. Voici Dame Joséphine Montillier, notre ambassadrice et chef de la diplomatie. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ravi de vous rencontrer. Salut, man. Bien sûr, vous connaissez Sœur Léliana. Mon poste ici exige un certain degré de... C'est notre maître espionne. Voilà. Merci pour votre tact, Cassandra.
Tiens, enchanté tout le monde. Plaisir de tous vous rencontrer. Je vous ai dit que votre marque avait besoin de plus de puissance pour refermer définitivement la brèche. Ce qui veut dire qu'on va devoir solliciter l'aide des mages rebelles. Je ne suis toujours pas d'accord. Les Templiers suffiraient amplement. On a besoin d'une magie puissante, commandant. Moi, je dis que plus qu'on est, mieux que ça est. Nous détruisent tous. Les Templiers pourraient contrôler la brèche, l'affaiblir pour... Ce n'est que pure spéculation. J'ai été Templier. Je sais ce dont ils sont capables. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La chanterie condamne l'Inquisition. Vous, en particulier. C'est sûr. Il y a autre chose maintenant. Certains vous appellent le messager d'Andraste. Vous, un nain. Andraste, c'est comme le dieu. Les prêtresses ont crié au blasphème et nous ont accusé d'hérésie pour vous avoir abrité. Fait que, en gros, je suis comme Jésus. Ce qui nous laisse peu de choix. Solliciter l'aide des mages ou des templiers est actuellement hors de question. Et je peux savoir en quoi je suis le messager d'Andraste. Les gens ont vu ce que vous avez fait au temple. Ils vous ont vu arrêter l'extension de la brèche. Ils ont aussi entendu parler de la femme aperçue dans la faille quand on vous a trouvé. Ils pensent qu'il s'agissait d'Andraste. Même si on essayait de démentir cette rumeur. Ce qui serait absurde. Bref, tout le monde ne parle que de vous. C'est un sacré titre, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas trop, à vrai dire. La chanterie l'a décidé pour vous, visiblement. Les gens ont désespérément besoin d'espoir. Et pour beaucoup, c'est ce que vous représentez. Pour les autres, vous êtes le symbole de la déchéance. Puis la brèche. Il ne faut pas plutôt s'inquiéter de la brèche, le vrai danger. Ils en sont conscients. Simplement, ils ne nous croient pas. Puis comment ça va, monsieur Mongrain? La chanterie dit à tout le monde que vous allez empirer les choses. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Une prêtresse de la chanterie, Mère Gisèle, a demandé à vous parler. Elle n'est pas loin. Elle est bien plus informée que moi. Son aide pourrait nous être précieuse. On va aller y parler. Vous trouverez Mère Gisèle auprès des blessés des marches solitaires, non loin de Golfalois. Tant que vous serez là-bas, saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'Inquisition. Nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au-delà de cette vallée, et vous êtes le mieux placé pour les recruter. En attendant, on ferait bien de réfléchir à d'autres solutions. Mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur le messager. Genre. Oh! La table d'état-major vous permet de faire usage de la puissance de l'Inquisition dans tout Orlai et Ferelden. Mère Gisèle se trouve dans les marches solitaires qui sont du côté féreldien de la table. Nice. Ok, donc dans Orlai, connu pour sa culture de la noblesse extravagante, mais aussi pour avoir vu naître la chanterie, Orlai est la plus puissante des nations humaines de Tedas, puis Ferelden. Oui. Calmez-vous, les amis. Donc, Ferelden, la conquête orlésienne, les affaires de la guerre civile, les ravages du cinquième enclin. Ferelden a eu son lot de difficultés avec l'affaiblissement du voile. La région est plus agitée que jamais. C'est là qu'il faut que j'aille, ça a l'air. Table d'état-major. L'Inquisition peut déverrouiller de nouvelles zones à découvrir grâce aux opérations d'exploration. Ça. Exécutez maintenant l'opération d'exploration pour les marches solitaires sur le côté féreldien de la table d'état-major. Fait que ça, c'est la grosse brèche, puis il faut que j'aille explorer les marches solitaires. Ça me coûte 1 de puissance, j'imagine. Non, je sais pas trop. Ok, explorer les marches solitaires. Mère Gisèle a été vue pour la dernière fois dans les marches solitaires près de Golfalois. Elle s'occupait des réfugiés qui avaient fui les combats opposant les Templiers renégats aux mages apostats. Les derniers rapports suggèrent que le conflit violent entre les deux groupes a gagné les marches solitaires. Prenant les réfugiés et...